normalement là. Vous voulez un morceau de jarret de veau, s'il vous plaît. Combien? Ça suffit moi que j'aurai. Vous avez ça. 8 et le 10. Merci bien. Qu'est-ce que vous faites de vous? Là, je prépare pour un bord là. Ah oui? J'avance mon mari. Comme ça, c'est les préparations sont... C'est bon. C'est ce qu'on appelle l'entraide. Et ça, je prends 5-6 tranches de rosette qui est assez fine. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans une des rares boucheries traditionnnelles au nord de la ville de Aulnay-sous-Bois. Donc vous êtes situé sur la rue l'avenue Anatole-France, à proximité de la gare. Est-ce que vous pourriez présenter votre boutique, vos spécialités, ce qui fait un peu le charme de votre commerce? D'accord. Ben, disons que tout ce qui est de le bœuf, c'est de Provence familiale. J'ai un frère qui était éleveur et un neveu qui était éleveur. Donc en ce qui concerne le bœuf, c'est la provenance familiale. Le animal est exclusivement nourri qu'à l'herbe, sans aucun produit. Voilà. En ce qui concerne la volaille, le veau, l'agneau, tout ça je me fournis sur un gisme. Et en charcuterie et en qualité, nous avons quelques produits nous-mêmes. Nous avons quelques produits maison que nous faisons nous-mêmes, surtout sur les crudités. Voilà, quelques pâtés. Quand même. Et depuis quand exercez-vous ici, à Aulnay-sous-Bois? Disons que j'exerce depuis 1977. J'étais ici de 1977 à 2006. Après quoi, j'ai eu un gérant pendant 4 ans. J'ai eu un gérant pendant 4 ans. Je suis revenu reprendre la boutique donc depuis 2010. Voilà, depuis 2010, je suis revenu. Donc 2010. Est-ce que vous avez perdu une clientèle entre 2006 et 2010, pendant ce laps de temps où vous étiez absent, ou est-ce que petit à petit, vous avez retrouvé vos marques, vos repères et votre clientèle? Effectivement, quand j'ai repris la boutique, il y avait une partie de la clientèle qui était partie. Et au point de vue chiffre d'affaires, c'est vrai que ça avait pas mal baissé. Donc depuis, j'ai récupéré une partie de la clientèle quand même. Mais disons que le quartier quand même a changé un petit peu, donc c'est un tout. Mais bon, j'ai récupéré quand même pas mal de ma clientèle. Et votre clientèle, justement, elle vient d'où? De quel secteur d'Aulnay-sous-Bois? Et vient-elle également hors d'Aulnay-sous-Bois? Ben, ma clientèle vient du quartier du nord d'Aulnay, mais donc du quartier sud aussi, parce qu'il y a un mouvement de clientèle un petit peu qui se fait. Et puis il y a une clientèle qui vient d'Ambénil, également de Drancy, un peu des à côté, quoi, sur tous les jours de marché. Et par rapport à la désertification, en quelque sorte, des commerces de l'avenue Anatole-France, donc on voit qu'il y a de plus en plus d'agences et de moins en moins de commerces atypiques. Ça vous fait quoi? Vous avez des craintes? Est-ce que vous pensez que cette avenue peut redevenir ce qu'elle était dans le passé? Effectivement, énormément de craintes, oui, parce que point de vue commerce alimentaire, il n'en reste pour ainsi dire plus. Donc, quand on pense qu'avant il y avait un charcutier, il y avait plusieurs boulangers, quelques pâtissiers,
commerce, il y avait plein de commerces, hein, alors que maintenant c'est vrai qu'il y a surtout que des agences, donc ça fait énormément de tort. Donc si on n'est pas un vrai professionnel, je crois que ici on a du mal à travailler, il faut vraiment être professionnel. En ce qui concerne les années à venir, disons que peut-être qu'il y aura un plus une fois qu'il y aura, puisqu'il se fait quelques résidences dans les environs, donc ça apportera peut-être un... Le quartier va peut-être changer un petit peu, mais pour revenir à ce qui a été, je ne sais pas. Justement, le quartier est en train de se transformer à vitesse grand V, oui. Avec la construction de nombreux immeubles aux alentours, donc Fernand Herbeau, sur cette avenue Anatole France, merci. Sur la rue Charles Dordain. Ça vous inspire quoi, vous ? J'imagine que pour vous, ça peut être de la clientèle nouvelle. Par contre, des riverains se sentent un peu trahis, se sentent un peu mis de côté par rapport à la construction d'immeubles de grande hauteur qui dénatureront ce quartier. Vous en dites quoi, vous ? Il faut construire haut, il faut renouveler un peu au lait sous bois, vous dites il faut plutôt construire, mais avec des tailles mesurées. Bah, tout à fait, oui, je pense que de construire c'est très bien, mais c'est vrai qu'il faut vraiment des tailles mesurées. De là avoir des immeubles, donc des aires résidences de 5-6 étages, je pense que non. Je pense qu'il faut que ça reste quand même à dimension humaine. Et puis par rapport à. Puisque c'est une zone pavillonnaire, donc je pense qu'effectivement il faut que ça rentre un petit peu dans l'architecture, un petit peu quand même. Donc, hein. Mais bon, d'un côté, je me mets à la place des riverains qui ont des pavillons, et voilà. Mais bon, il faut quand même qu'on ait un petit peu sur nous, mais c'est vrai, parce que surtout ce côté-ci, c'est triste. La rue est triste, et les environs, c'est un petit peu triste. Donc, je pense que tout le quartier a besoin de rénovation quand même. Merci beaucoup pour avoir accepté cette interview, ce reportage dans votre boutique, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, monsieur.